Brian Powell of I Run Far here with Xavier Thévenin after his win at the 2015 Ultra Trail de Mont Blanc. Congratulations. Thank you very much. You had an amazing run yesterday. As always, many fast runners, people we know, you and Luis Alberto, Miguel, Tofo, were all together at the start. Did it feel like you were running fast together? À vrai dire, moi, j'avais pas de, je me préoccupais pas vraiment d'eux. Je savais qu'ils étaient là, mais sur un ultra trail, il faut pas penser en termes de résultats et puis par rapport à qui va y avoir, mais plus par rapport à soi. J'étais dans ma bulle, ça m'importait peu s'ils étaient là ou pas, quoi. On the start line, I don't want to think about the other runners because on an ultra trail, it's so difficult, but you have to run compared to your feelings, but not compared to the other runners. I was very happy to be among very good runners, but I don't want to run compared to them. So it, but it, so it felt comfortable for you the first 30 or 40 kilometers. Oui, ça allait bien, j'étais pas au niveau de l'allure, ça me convenait bien. J'aurais voulu être accéléré, j'aurais pu, mais ça servait à rien parce que la route est longue et puis faut savoir s'économiser au début jusqu'au cours meilleur et puis, après accélérer un peu. At the beginning of the race, from the start line to Courmayeur, I was very good. I had very good feeling and I have a possibility to run faster, but it was enough because the way was very long and you have to be very cool at the beginning to run in a good with good feeling at the end of a race. Yes. For much of that first half, you were with Team Spain. It was you and Tofel and Luis Alberto and Miguel. Were you able to, did you talk at all? Do any of them speak French? Donc tu étais avec trois Espagnols, donc avec une équipe d'Espagnols. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as discuté avec eux? Moi je sais pas, parce que je parle pas espagnol. Et puis, voilà, à l'entraînement on est souvent tout seul et puis on parle pas quand on est tout seul, donc ça me... Que je sois avec eux, je savais qu'il y avait une présence, mais que je sois avec eux ou quoi, bah, ça changeait à rien de ce que je fais d'habitude, quoi. Yeah, you, of course, he was with three Spanish runners, but he didn't take care of them, he didn't pay attention to them. When he trained alone. When, of course, he appreciate not to be alone in the mountain, but it's. He didn't pay attention to this. So it's not, you're not focusing on the camaraderie, it's just running? No, du tout, no. Not at all. Most of the second half, you were running alone. When did you push to pull away from Luis Alberto, or did he just fall back? Donc la deuxième partie, tu as couru tout seul, est-ce que c'est toi qui as accéléré pour partir ou si c'est eux qui ont réduit le rythme? La course s'est passée un peu en deux temps. Moi j'avais dans le but d'arriver à Courmayeur assez frais et puis de Courmayeur de voir un peu comment ça a évolué et si j'avais les jambes, j'ai commencé à un peu accélérer à partir de la foulie, j'ai vu que j'avais des écarts sur Tofol et après là maintenant j'ai voilà, c'était plus dans l'esprit compétition à partir de la foulie que sur la première partie. Oh. Okay. I just translate what he said and we will. He said when he starts running, he think that he has to go slowly, if you can say slowly. Mm. Just to Courmayeur and after to study the situation compared to the other runners, and he would like to accelerate, to speed up only from La Foulie. Yeah. And when he speed up from La Foulie, he saw that
just behind him, it was no so easy for the others, for the other runners. Okay, we'll pick this up in a minute after the rest of the press conference. Brian Powell back with Xavier Thévenot after a brief break in our interview. We were talking about your race, and up to midway you had at La Folie you were in the lead and building time on TOEFL. Then it starts to get hot. The sun comes up, it gets hot. Did you suffer? Ouais, beaucoup, surtout la dernière partie, plus à partir de Valorcine jusqu'à l'arrivée, c'était vraiment dur parce qu'il faisait chaud. Même à un moment donné, je me suis retrouvé à sec, j'avais plus d'eau, donc j'ai rempli dans une rivière pour finir et puis être sûr de finir. Yes, it was very difficult, very tough because of the sun and especially from Valorcine. And he had to take water in the river. Because he had no water anymore in the reservoir. At La Folie, you had a very small lead, maybe 2 minutes, and then TOEFL drops and you keep running strong. Very soon you had 30 minutes, 45 minutes. Did you know you were building such a big lead? Ouais, c'était. J'ai vu que je commençais à faire des écarts. Et je me sentais bien à ce moment-là, donc j'ai accéléré un peu. Et surtout dans la montée de Champey, j'ai accéléré. Et puis après, je savais qu'on m'annonçait les temps ensuite. Donc je voulais voir si ça marchait. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'accélérer un peu dans chaque montée pour faire le trou. When you understand you had time for when you understand there are time between the other runners and him, he sped up. And he understood because we gave him information, and he understood he was stronger, so he speed up again and again. And how are you able to do that? It's incredible that you're able to speed up so late in the race. Is it physical preparation? Is it mental? Is it your mind? Je t'explique que tu étais capable d'accélérer. Est-ce que c'est dû à une bonne condition physique ou une préparation mentale spéciale? Bon, les deux, c'est pareil. Après, la course, pour moi, elle commençait vraiment à partir de Courmayeur. Au début, c'était vraiment du plaisir et puis de la contemplation. Et puis, j'ai pas d'objectif de résultat ou quoi que ce soit. C'était vraiment un plaisir. Et à partir de Courmayeur, commençait la course. Donc, en fait, l'esprit compétition est venu juste à partir de Courmayeur. Training and mental preparation, of course, are very important in this kind of race. And for me, the race starts in fact in Courmayeur. Before Courmayeur, it's only pleasure and enjoy the landscape. And the race began in Courmayeur. So you do enjoy when you're out there for part of the race. What do you enjoy most? Qu'est-ce que tu as profité de plus? Sur la course, il y a tellement de choses. Je dirais déjà toute la nuit, c'était vraiment agréable parce qu'on a eu des super conditions et puis une pleine lune, c'était top. Après, il y a une deuxième image que j'ai en tête, c'est le lever de soleil sur le Grand Col Ferré, c'était vraiment quelque chose de magique. Et puis l'arrivée, des sensations aussi, parce que je me suis fait vraiment plaisir jusqu'à Champey, c'était vraiment du régal, je me faisais vraiment plaisir. Et puis après, l'arrivée surtout avec tout le monde, le grand moment de partage et d'émotion avec le Team Asics, la famille, et puis les copains, c'était fort. There are so many things to appreciate during the race, and especially during the night. You switch off his hand lamp. To make the most of the night and of the stars in the sky, and of course when he arrived at the end of the race with all the family on the finish line, the friends, and also just before Valorcine and the sunrise on the Grand Col Ferret, of the Grand Col Ferret was amazing and so fabulous. And the finish, you have been to. The UTMB races four times,
you win the CCC, you win the TDS, two times you win the UTMB. Is it still special coming to this finish line? Arriver dans Chamonix, passer la ligne d'arrivée, donc les quatre fois que tu as passé, parce que c'est toujours aussi particulier. Ouais, c'est quand même quelque chose de fort. Après, les victoires sur l'UTMB sont quand même beaucoup plus importantes que celles de la TDS ou de la CCC. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'émotions, c'est puissance 10. Yes, it's very special to ride in Chamonix, of course. And the CCC and the TDS, it was very emotional, very strong emotionally. But for the UTMB, it's very, very special because there are so many people everywhere. And it's the queen race, as you can say, yes. The queen race of the week of the UTMB. And what keeps bringing you back to the Mont Blanc races? You always win. So what brings you here? Toujours des super images en tête. Que ça soit quand je viens ici dans la vallée juste pour courir ou quand je suis chez moi dans la montagne du Jura pour m'entraîner, j'ai tout le temps le Mont Blanc en visuel parce que voilà, c'est la montagne qui est à côté. Donc à chaque fois que j'ai les yeux rivés sur le Mont Blanc depuis chez moi, c'est forcément j'ai toujours les images des victoires de la CCC, de la TDS ou des UTMB quoi. And say of course the Mont Blanc is a very special mountain, and even from the Jura at his home when he trains, he can see the mountain and he can have again in his mind the different images of the victories and the different images of the emotion during the race. And you come here and have such success around Mont Blanc, and you come from Jura, which is completely different geology, I guess. How do you prepare there in such a different place? Donc, l'entraînement Jura, c'est très différent des Alpes et du Mont Blanc. Tu te prépares chez toi pour gagner ici. Dans le Jura, on peut se préparer très bien pour le Mont Blanc puisqu'il y a du dénivelé aussi. C'est des belles montagnes, elles sont moins hautes, mais il y a quand même de quoi faire. Et puis je dirais même que c'est même pas si mal pour s'entraîner, pour préparer un ultra trail du Mont Blanc, puisque toutes les montées sur les montagnes du Jura, on peut les courir, tandis que quand on vient s'entraîner dans les Alpes ici, souvent au bout d'un moment donné, quand on a fait beaucoup de dénivelé, on commence à marcher et puis les montées sont plus longues. Et donc du coup, ça nous force à courir plus longtemps quand on s'entraîne sur le massif du Jura. Et puis ça paraît plus simple après quand on vient dans les Alpes parce qu'il faut marcher. So Jura is a very, very nice place, of course. And he considered that it's easier to train in the Jura to prepare to race the UTMB, because as the uphill are less difficult, you can run all the uphill, mm-hmm. And it's a good training to win the UTMB, to keep on running when you go up. Okay. Since you won UTMB 2 years ago, you have abandoned a few races. You've had some results that are okay. You won TDS, but it's a smaller race. Were you injured at all in these 2 years, or did you just not feel as strong? Depuis la TDS? Depuis la dernière victoire sur le TMB. Donc depuis la TDS. Il y a eu les championnats du monde. Le championnat du monde, le 8e, c'est sûr qu'il y a eu faire mieux. Mais il y avait tellement de densité et puis moi j'ai fait des petites erreurs, donc c'est pour ça que je fais vite. Mais sinon l'Ultra Fjord en avril. Aussi il faut dire que moi je cours peut-être moins que la plupart des coureurs puisque l'hiver je fais que du ski de fond et c'est peut-être pour ça que je fais moins de courses, mais je fais du ski de fond l'hiver
Et puis, je ne me suis pas blessé pour autant. Voilà, je pense que c'est bien de laisser un peu de récup entre chaque course pour pas se blesser puis être compétitif dans la longévité. So he was an injured. Okay. He was an injured. He was in a good shape, and it's true he raced not a long. He didn't race so many races because you know during all winter he only skiing. Yeah. And but from the victory on the TDS, he raced the World Championship in Annecy, and he finished eighth. Yeah. Of course, it's not a very, very good result, but the level was very high, and he said he made some mistakes, and he won in April, in Patagonia, in Chile, and on the 75 kilometers, and for sure, compared to some runners, he didn't race a lot, but he preferred to choose his races and to continue for a long time to race. Speaking of choosing races, you just had an amazing race and you should enjoy that. But do you have anything on your calendar for this autumn? C'est sûr que tu as gagné une course difficile et tu dois prendre du temps pour apprécier. Mais est-ce que tu as décidé de la suite de ton calendrier? J'aimerais faire les Templiers fin octobre. Voilà. So in Rio, les Templiers at the end of October. We look forward to seeing you there. Will you consider one of the UTMB races next year? I don't think so. No, time for a new adventure? Yes. Well, good luck in whatever it was and congratulations. Thank you. And one extra question. After you finished, you left and you came back for the 10th finisher, Alexandre Maier, and you had ice cream. What flavor were you enjoying? Framboise, cassis, citron. Oh! Strawberry, blackberry, lemon. Trois boules. Parfait.